Vous êtes ici car on a découvert que les cafards envoyés pour terraformer Mars sont maintenant des bodybuilders cuirassés de 250 kg et 2 mètres de haut. Le seul moyen d'exterminer ces saletés est de croiser votre ADN à des soldats d'êtres vivants. Vous avez survécu à l'évolution, vous êtes prêt à partir sur Mars. Et croyez-moi, on ne va pas trouver de l'eau là-bas. Je suis le capitaine Michel K. Davis. Je commande l'unité nipo-américaine. Et voici les capitaines de... Michel, où est la trousse de secours? Voilà, petite coquine. Bon, je reprends. Équipe russe, voici votre capitaine, Sylvester Asimov. Camarade, tournée générale. Équipe chinoise, votre capitaine Yu Wiyu, certifié 100% contrefaçon hybride de poule. Qui a commandé des nems? Les nems, c'est pas chinois, c'est vietnamien. Fini, vous deux. Bien, le suivant. Voilà Shokichi Komachi, seul survivant de la précédente mission. Il commandera l'équipe japonaise. Au moins, quand Yu quittera l'armée, il pourra se reconvertir dans le hentai. C'est pas possible. Au suivant, Adolf Reinhardt, commandant de l'équipe allemande, hybridée avec l'anguille électrique, notre... Deutsche Qualität. Excusez-moi, c'est ma femme. Ya? Ya? La choucroute? Oui, chérie, j'aime ça. Ya? Adolphe, ta présentation. Ya, si je n'étais pas marié, le courant pourrait passer entre nous. Mon pauvre ami, tes blagues ne tomberaient pas à l'eau si tu te souviens. Ah, mais j'oubliais, tu ne peux pas. Immédiatement, la magie du plan. Et pour finir, Joseph Gustave Newton, commandant de l'équipe romaine. Il est passé où, cet imbécile? Michel, épouse-moi! Soldat, avec une telle bande de bras cassés, vous êtes certain d'y rester sans même avoir posé le pied sur Mars. Alors on va passer au plan B, l'arme ultime contre les cafards.